Bad Trip, la vidéo, c'est beau! Eh bien, bonjour et bienvenue dans ma cuisine pour vous présenter... Non, je vous avais promis une petite recette pour mes 5000 followers. Eh bien, je vais faire ça avec vous. Mais nous ne serons pas seuls. J'ai pour vous un invité surprise qui fait, lui, ses 40 000 followers. Ce n'est pas n'importe qui. Et il va venir nous aider. Allez, viens! De quoi? Ça va pas, non? Bah, tu m'as dit de venir. Ah non, on va cuisiner. Ah, arrête-toi. Non. Mais bah, je vais te foutre un snoop. Excusez-moi. Excusez-le. Faut un ski. Je sais pas ce qu'il y a plus. On va démarrer tout de suite. Hein. Bon. Bonjour. Si on fait cette vidéo, c'est pour mes 40 000 followers et pour les 5 000 followers de Brice. Alors moi, je ne cuisine pas et je n'ai jamais mangé de blanquette de veau de ma vie. Donc du coup, Brice, c'est le chef, c'est lui qui va me dire ce que je dois faire et je vais t'écouter. Quoi que tu me dises de faire, ce soir, je le fais. Si j'ai bien compris, tu n'as jamais mangé de blanquette de veau de ta vie. Jamais. Tu n'as jamais cuisiné de ta vie. J'ai fait cuire des pâtes. Ah, c'est bien. T'as une base, donc. J'ai une base, ouais. Allez, pour la blanquette de veau, ouais. Nous avons du veau, c'est orange, et allez, c'est pas des fond. Oranges, des carottes. Voilà. Non, pommes de terre. Oignon. Oignon, c'est bien. De l'huile, du beurre. Et du riz, on va faire du riz, pourquoi pas. Ouais. Parce qu'en fait, ouais. On va pas faire du tralala, nous, on va se la cogner derrière là. On la mange, ouais. Alors si tu fais des trucs genre crotte de nez, machin, tu te la bouffes derrière. D'accord. On est d'accord. Allez. Je garde mes couilles dans mon slip. Oh. T'es MacGyver. Vas-y. Voilà, ça c'est mon couteau. Ça c'est ton couteau. Ça c'est ma planche. Et ça c'est ta planche. Voilà mon oignon, ouais. Et voilà ton oignon. J'enlève le cul. Je vais péter l'oignon. La rondelle, c'est bon. Et le petit kiki qui est devant. Le petit kiki. Voilà. Ensuite, tu l'entames. Je l'entame. Il y aura un petit peu des termes techniques, je te d'accord. Si tu comprends pas, tu me tiens. C'est dur d'entamer. Tu l'entames. Il se passe quoi? Bien entamé. J'entame bien. Voilà. Et. D'où le terme éplucher l'oignon qui date d'Henri IV, je crois. Tu déconnes? Oui, d'accord. Tout à fait. True story. Okay. Hashtag true story, s'il vous plaît. Et le message secret d'Henri IV, il a envoyé un messager qui allait dans les villages un ou deux jours avant son arrivée et il disait « Femme, ne vous bassinez point, j'arrive. » Attends. Le mec, il aimait se faire des meufs qui puaient de la chatte. Voilà. Et c'était, on était à peine sorti du Moyen-Âge, donc ça devait quand même être niveau pour moi quand même. Mets tes doigts comme ça, sur le bord de l'oignon. Oh non, je fais pas ça, je vais me faire mal. C'est un peu le but, hein, d'accord. Tu coupes un truc ou deux avant qu'on ait fini. Voilà, et tu fais une petite tranche, tu recules ton doigt d'un millimètre, tu fais une autre petite tranche. Et il faut que le couteau glisse sur tes ongles en fait. Non. Nous allons faire une blanquette à peu près pour 4 personnes. D'accord. Vu qu'on est deux. Hein. Voilà. Et donc on va faire l'équivalent de 2 oignons, un peu plus. Mais pourquoi ça me pique pas les yeux? Alors, je vais te parler d'un truc. Voilà. On met dans la caisse. Fais chauffer la caisse, mec. Alors, de l'huile. Et je vais mettre du beurre. Alors. Vous allez me dire, pourquoi tu mets de l'huile et du beurre? Ah bah oui, parce que tu veux vraiment qu'il rende bien le pénis. Je mets du beurre et de l'huile mélangée parce que le beurre brûle à 130 degrés. Ah oui. Et l'huile brûle à 180 degrés. Et le beurre en rend mieux la viande, mais l'huile empêche le beurre de brûler. Ah. Mais alors, c'est gras quand même. Ok. Ça va pas me jeter au visage des trucs. On va voir, je m'écarte un petit peu.
il y a beaucoup d'oignons. Alors il y a un poil, je vais pas le mettre, je sais pas d'où il vient. De ton nez sûrement. Pas un poil comme ça. Ça c'est un naseau. De ton poil de naseau. C'est un poil de bite ça. C'est un poil de bite. Ah effectivement. On va laisser dorer les oignons. Je vais t'apprendre à faire un bouillon. Ouais. Tu sais faire un bouillon? Non. Alors, tu prends des petits légumes, il faut des navets, il faut des carottes, il faut des... Non, je déconne. Ah oui, ça j'ai vu la pub à la télé. Voilà, ouais. voilà. Et alors? Et on en met, allez, on en met deux. Et ça, les cuisiniers, ils aiment bien. On a le droit. Les cuisiniers, ils s'en vendent pas trop, mais ouais. Ah ouais, d'accord. Allez, je te laisse faire. On dira que c'est toi qui l'as fait. Il faut jeter donc. Non. Ça sent pas très bon. Nos oignons ont blondi, ont ravoli. Et je me recule parce que ça me fait un peu peur. Je vais me la péter un petit peu. Hein. Ouais, vas-y, oui. Moi, je pourrais pas. David. Oui. S'il vous plaît. Voilà, le veau. Est-ce que je peux me permettre un petit. J'ai envie depuis longtemps. Oui. Ah. Bénil, c'est ça? Ah, là, voilà. Comme ça? Ou d'un bloc, exprime-toi et lance tout. Sois fou, allez! Et toi? Ouais! Allez! Alors, je résume. On découpe des oignons. On fait un bouillon avec des trucs achetés pour pas trop cher, Cubor. Ensuite, quand les oignons ont commencé à bien dorer, on met le veau à l'intérieur et on laisse dorer le veau et l'oignon ensemble. Voilà. Pendant toutes les 3 minutes, on fait ça, voilà. Et on bouge un petit peu. On laisse mijoter pendant combien de temps? On va laisser dorer, ça va prendre une dizaine de minutes. Donc 10 minutes, d'accord? Voilà. C'est beau. Avant de mettre le bouillon, de jeter la farine sur la viande. Et voilà. Moi aussi, je peux parler comme sur M6. Et vous remuez la viande. Et donc, la farine va tapisser les morceaux de viande. Et on va faire le déglaçage. Qu'est-ce que le déglaçage, David? Le déglaçage, c'est ne pas mettre de sucre glace dans la viande. Voilà, c'est exactement. C'est déglacer, c'est jeter dessus de l'alcool ou du vin. Ah d'accord. Pour. Moi, je vois pas d'alcool, hein. Il n'y aura plus d'alcool. S'il te plaît, David, le vin blanc. Le vin blanc? C'est vrai que ça sent bon. Ah, le riz 10 minutes que j'achète au supermarché. Donc je fais cuire de l'eau, d'accord. Quand ça boue, je mets le riz dedans et j'attends 10 minutes. Le bouillon. Faut pas mettre tout le bouillon, il faut réserver un peu de bouillon. Des clous de girofle, très peu. Très peu parce que plein de gens n'aiment pas ça. Donc si vous en mettez pas plus de 2-3, vous pourrez dire qu'il n'y en a pas. Moi j'aime pas les clous de girofle. Voilà. Je me demande pourquoi on appelle ça des clous de girofle, parce que ça ressemble à des clous. Et j'ai acheté chez mon épicier préféré un assemblage de thym et de laurier ficelé que je mets tel quel. Ça me permet après de le récupérer de façon à ce qu'il n'y ait pas des petites branches qui se collent dans les dents, des galasses. Donc, on est obligé de faire comme ça pour manger la blanquette. Voilà. David. Mmh. Ah non. Alors au Moyen Âge, à quoi servait le clou de girofle? Oui. David, à quoi servait le clou de girofle au Moyen Âge? À vomir. Le clou de girofle, oh. aussi. Le clou de girofle au Moyen Âge, je ne sais pas. Alors, le clou de girofle au Moyen Âge servait comme un anesthésiant. Ah, c'est pour ça la langue. Voilà, et voilà, tu ne sens plus te laisser en la langue. Voilà. Et en fait, au Moyen-Âge, comme il n'y avait pas d'anesthésiant pour les dents qui faisaient mal, ces choses-là, ils se mettaient des clous de girofle dans les dents. Et en l'espace de 5 minutes, tu ne sens plus tes dents. On va laisser mijoter pendant entre 1 heure et 2 heures. 1 heure et 2 heures, ça mijote. Heureusement qu'on a acheté le dernier Pokémon. Ah, attendez. Voilà. J'ai oublié de mentionner mes cèpes. Alors, je vous explique. Il n'y a pas de cèpes dans la recette, c'était juste pour me la péter, parce que c'est ce que j'ai ramassé avant-hier.
et que j'ai nettoyé et que je vais me cogner demain. Voilà. Si je peux vous le faire en odorama, vous seriez sous un petit sous-bois nu en train de courir dans les prés. Voilà. Voilà, déjà depuis plus d'une heure, hein, depuis deux heures presque. Ça fait deux heures. Presque deux heures de. Presque deux heures. Mijotagement. Ouais. C'est un peu réduit d'ailleurs. C'est pas mal réduit. Là. Voilà, donc le petit fagot a fait son office. Hein. On peut s'en débarrasser. On peut le faire brûler et sauter par en dessus à Mardi Gras. La recette de grand-mère, elle est là, on a terminé. Maintenant, je vous fais la version 21e siècle. Plus ronde, plus joyeuse, plus généreuse, plus gironde. D'accord. J'ai parlé de la crème fraîche. Et là, on est plus dans ce qu'on peut appeler une blanquette. Parce que dans l'étymologie de la blanquette... Le mot blanc. Voilà, la blancheur. Blanquette de veau, parce que c'est blanc. Et ils ont rajouté quête. Oui, parce que ça, on sait d'où vient le blanc. Alors, une petite question. C'est parce que là, on a vu tous les éléments, tout ça, mais je me demande, où est la poulette? Parce que les chats, c'est des connards. Égalité, très bien. Alors, on peut rajouter des petits champignons vers la fin, on peut rajouter des petits lardons, on peut rajouter... Et des carottes, peut-être, parce que les carottes, on les a pas mises. Non, alors ça, c'est... C'est pour tout à l'heure, j'espère. Voilà, on est en train de servir, et enfin Brice est en train de servir plus précisément, et il est quand même quasiment minuit. Donc on va manger une blanquette à quasiment minuit. Le cadreur s'en va. Ça ne se fait pas en télé ça, monsieur Argo. En tout cas, merci d'avoir suivi cette superbe recette de cuisine. Merci beaucoup Brice de m'avoir reçu chez toi. Merci à toi David de m'accompagner. Alors, Je te rappelle que tu as eu 40 000 followers, j'en ai que 5 000, je ne suis qu'un enfant. Mais écoute, cette vidéo fera que forcément, par le truchement des vases communicants des followers, je vais sûrement avoir 45 000 et toi 46 000. Un coup de girofle. Oh. Ah. C'est un peu le cul. Ouais. Bon. Hey. Et si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh. 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 Oh, mais t'es une fille. Ah non. Pourtant que la montagne est belle.